Numéro 5, j'ai choisi le match à Auxerre. C'est sur un long corner. J'ai hésité à sortir. Et puis après, c'est en marche arrière, c'est surtout un arrêt réflexe, une claquette et le ballon hors des cages. Numéro 4, j'ai choisi contre Saint-Étienne, un coup franc de Moravčík aux 30 mètres. Une très grosse frappe, et là, il faut aller la chercher sous la transversale. Je dirais une très belle claquette sous la transversale qui a fait plaisir à mon public. Alors, image numéro 3, c'est la finale de la Coupe de la Ligue. Là, je faisais partie des 5 bonhommes parce qu'il en manquait un. Il fallait bien que quelqu'un le tire. Et c'est moi. Je prends beaucoup d'élan. Là, je ne sais pas où je vais frapper. Je frappe en force. Et quand ça frappe en force, eh bien, ça peut rentrer, c'est rentré. Il y a beaucoup de hargne qui sort. Il y avait une grosse pression. Numéro 2. J'ai choisi à l'époque de l'Olympique de Marseille contre Cannes. Ben, je crois que ça peut se passer de commentaires. Sortie balle au pied, dribbler un joueur, en dribbler deux. Revenir, dribbler un troisième. Quatrième, je crois que s'il y en avait 5-6, j'en aurais dribblé autant. J'aurais essayé. Là, vouloir mettre une passe décisive, mais moins deux, je me fais piéger par Abedi Pelé. C'est des moments inoubliables. Alors, l'image numéro 1, c'est celle qui restera la plus importante de ma carrière. C'est OM Milan. Le match était toujours à ce moment-là de 0-0. Et ce coup franc, très difficile, une claquette sous la transversale. Avec notre ami Carlos Moser. Et c'est des moments vraiment fantastiques et inoubliables. Je crois que la joie était immense. C'était un moment, une soirée fantastique, le public. Et ensuite, la qualification au bout, ça a été un rêve. Mais c'est pas seulement l'arrêt, hein, c'est aussi les conditions de l'arrêt. L'ambiance. Mais il est curieux parce qu'elle a le contexte, surtout enfin, sur ce match-là, quoi, c'était un match très important. C'est comme ils le disent, c'était à 0-0 et il y avait peut-être 50 000 spectateurs. C'était une place en demi-finale de la...